On les savait proches, on en a désormais la confirmation. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ont en effet passé le réveillon de la Saint-Sylvestre ensemble dans le château de Souzy-la-Briche dans l'Essonne, révèle le magazine Le Point. Accompagnés de leurs épouses respectives et d'amis proches, l'ex-premier ministre et celui qu'il surnomme son frère ont donc dit au revoir à 2016 dans la demeure choisie à l'époque par François Mitterrand pour abriter Anne Pinjot et leur fille Mazarine. Manuel Valls affectionne particulièrement ce château mis à disposition du Premier ministre que Nicolas Sarkozy avait préféré délaisser au profit de la résidence de la Lanterne à Versailles. Comme le rapporte Le Point, le candidat à la primaire de la gauche espère pouvoir rendre ses lettres de noblesse à ce château. « Si je gagne, je rends la Lanterne au Premier ministre et je reprends Souzy-la-Briche pour le président », a d'ailleurs assuré Manuel Valls.